Good morning, allez Yiden, et juste aujourd'hui, les Nishmat, le Sharon Ben Fortune, Mazal Kud, Fabio Ben Fortune, Mazal Damiram, Patrice Asayak, et René Avraham, Ben Mordechalik, si vous souhaitez, vous aussi, des une prochaine tune, nous chacun avec les 5 minutes éternelles. Nous étions à ce qu'il y a de Gimel Mishnah Yud Dalet. Rabbi Yossi Omer Yom Tov, Rishon Shen Chag, Shechal Yot Beshabbat, Beshachach, Veotzi et Halulav, Birshut Arabim, Patur, Mipenei, Shehotzio, Birshut. Je traduis et après on explique. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Yom Tov de Sukkot, Shechal Yod Veshabbat, qui tombe un jour de Shabbat. Veshachach Veotzi et Halulav, Lirshut Arabim. Et il a oublié, et il a transporté le Lulav dans le Rishut Arabim. Eh bien, la Mishnah me dit qu'il n'est pas tour, il est dispensé du. Transgression sur Shabbat, il ne doit pas porter le corban dessus. Pourquoi? Parce que Mipenesh et Otsio Birshut, parce qu'il l'a sorti littéralement dans le droit, ou je ne sais pas comment on traduit, et là, dans le cadre de la permission. On va expliquer de quoi on parle exactement. On a déjà dit que, bon, à Shabbat, à notre époque, on fait, quand Sukkot tombe à Shabbat, on ne fait plus la mise à du Lulav, comme on a expliqué dans les Mishnayot précédentes. Malgré tout, à l'époque du Beit HaMikdash, alors, on continue à accomplir la misa du Lulav de Shabbat. Mais malgré tout, il était formellement défendu de le transporter dans le Rishut Arabim. La Mishnah m'enseigne à présent. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a oublié, et il a transporté son Lulav à Sukkot pendant le premier jour du Yom Tov, alors qu'il n'avait pas le droit de le sortir dans le Rishut Arabim, il l'a sorti dans le Rishut Arabim. Est-ce qu'il a, donc, il a transgressé Shabbat? C'est clair, il a transgressé Shabbat, il n'avait pas le droit de transporter son Lulav. Est-ce qu'il devra porter un korban khatat comme tout celui qui transgresse un issur de Shabbat, un shogeg ou pas? Alors la Mishnah me dit, ben non, il est dispensé. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une halakha spéciale, en fait, on aussi, vous savez, on l'avait vu déjà dans la Sechet Shabbat. C'est une discussion assez générale dans les Tanaïm. Quelqu'un qui transgresse Shabbat en accomplissant une mitzvah, en oubliant que c'était Shabbat, dans le feu et l'émotion de la mitzvah, il a oublié que c'est Shabbat, il a transgressé en accomplissant sa mitzvah. Ou pour accomplir sa mitzvah. On a vu là-bas, ça parlait de celui qui va faire le Brit Mila à un enfant, il avait deux enfants devant lui, un qui devait faire le Brit Mila le jour de Shabbat, l'autre qui avait le droit de faire le Brit Mila. Et dans l'engouement, il s'est oublié, il a fait le Brit Mila au mauvais enfant, à l'autre qui ne devait pas faire le Brit Mila aujourd'hui. Est-ce qu'il rêve Ratat? C'est Shabbat, c'est sûr. C'est un sujet général, quelqu'un qui doit accomplir une mitzvah, Shabbat l'interdit de l'accomplir, et malgré tout il transgresse et il accomplit le shogeg. Alors la Mishnah enseigne une règle, ici, on ne va pas l'extrapoler ailleurs, chaque sujet il a étudié, il a distingué des autres, mais pour le moment la Mishnah me dit parce qu'il a été motzi birshut, il a transporté birshut, c'est-à-dire birshut, à mitzvah, sous l'aile protectrice de la Mishnah, de la mitzvah si je peux dire. Étant donné que tu dois accomplir ton devoir de mitzvah qui est là, tu ne l'as pas fait pour ta simcha, tu l'as fait pour l'honneur de la mitzvah, alors tu es dispensé du korban khatat. Voilà la donnée générale. Maintenant, la Gemara complique beaucoup cette Mishnah, étant donné que le lulav, depuis le moment où on le saisit avec le etrog, on s'acquitte de la mitzvah. Donc de quoi comment tu peux me dire qu'il est dispensé parce qu'il a déjà, parce qu'il est birshut mitzvah? Tu me dis, tu sais pourquoi il est dispensé quand il va prendre son lulav, il va sortir dans la rue? Parce qu'il est en train d'accomplir la mitzvah. C'est pas vrai. Depuis le moment où il a soulevé le lulav, il s'est déjà quitté de la mitzvah. Et dans ce cas-là, quand il va décider de se lever, de partir, de sortir, il va transporter sans faire de mitzvah, il a fini la mitzvah. Même si concrètement, il va l'amener à la Beit Knesset pour faire les nanouïm et tout ça, de manière plus générale, mais puisqu'il s'est déjà quitté de sa mitzvah, de la Torah, depuis le moment où il le soulève uniquement, même si on ne le balance pas, alors il a déjà fait l'essentiel de la mitzvah, donc il n'est plus birshut mitzvah. Et la Gemara répond qu'on parle d'un cas où il ne s'accomplit pas. Il n'accomplit pas sa mitzvah pour le moment lorsqu'il saisit le lulav. Et sur ça, on a plusieurs options que la Gemara propose. Et de là, vont provenir plusieurs de la rat, comme on dira ensuite. Que tout d'abord, peut-être qu'on parle qu'il attrape en bas, à l'envers. Une halakha, c'est déduit de Hatseshitim Omdim, qu'il faut accomplir la mitzvah de chaque végétal que vous devez accomplir la mitzvah avec lui. Il faut le faire dans le sens qui pousse. Du coup, on apprend que le lulav, il doit être dans le sens qui pousse. Non, pas qu'il a pris le lulav à l'envers, ou le trog à l'envers. Autre solution encore, c'est qu'ils le saisissent avec un intermédiaire, ils le prennent dans une boîte. Alors dans ce cas-là, puisqu'il ne accomplit pas la mitzvah, alors le fait qu'il le fasse, qu'il transgresse le fait de transporter
pour la mitzvah, c'est qu'il sera dispensé du korban khatat, parce que dans un sens, il y a deux langues à apprendre, le fameux inyan, et le gros sujet, comment est-ce qu'on fait la bracha sur les couvages, comment faire. Vous allez le prendre et faire la bracha ensuite, vous avez l'obligation de faire la bracha dans tout ce que vous faites. Alors faites la bracha avant d'accomplir la mitzvah, sauf métier d'atalim et d'vila pour les femmes. Mais de manière générale, d'vila quand la lecture est mitzvah. Mais même ça, c'est discuté, je crois. Et en tout cas, donc, chaque fois que vous faites une mitzvah, d'abord on dit la bracha, après on fait la mitzvah. Dans le lulav, comment vous allez faire? Alors il y en a qui vont poser au moins le etrog. C'est du tout ça de cette bracha-là. Parce que si tu le saisis, tu as déjà compris la mitzvah, tu ne peux plus faire la bracha sur ce que tu as déjà fait. Donc du coup, il y en a qui vont laisser poser le etrog. Et là, c'est plus fréquent dans la communauté marocaine, je pense, parce qu'ils vont prendre le etrog à l'envers, et après ils vont le retourner pour faire la bracha. Il y en a aussi qui propose encore. C'est toi cette vue de cette bracha. Parce que si tu l'attrapes à l'envers, tu n'accomplis pas ta mitzvah. Nous, entre parenthèses, la propension, c'est lorsqu'on fait les nanoïs, ne pas transformer tout, ne pas mettre le lulav avec le nez vers le bas, le laisser dans le bon sens. Faire le vers le bas, mais en laissant en direction du haut. Et on a parlé de tous les sujets essentiels, je crois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Tzara.